Eh bien, je suis Loïc Sécheresse et je suis dessinateur et auteur de bande dessinée. Je m'appelle Cyril Pedrosa et je suis auteur de bande dessinée. Ils sont nés avec l'envie de comprendre un mouvement. C'était le mouvement des Gilets jaunes. Ça a commencé d'une manière très simple. On s'est dit, on va aller aux différents actes des Gilets, on va rencontrer les gens, on va les dessiner, et puis on va diffuser ces portraits pour essayer de dire autre chose que le discours mainstream qu'on entendait à l'époque. Et nous, on a cherché à avoir une autre vision, à placer nos propres mots sur ce mouvement. Alors qu'au début, on travaillait exactement de la même manière. On a développé chacun notre manière d'appréhender la manifestation, de dessiner à l'intérieur de cette manifestation pour avoir vraiment deux regards qui se répondent mais qui ne sont pas identiques. Moi, je me suis par exemple plus attaché à comprendre presque de manière organique ce qu'était le fonctionnement d'une foule ou d'une multitude dans une manifestation, tout en veillant à montrer la richesse de cette multitude autant que possible. Cyril a mené un travail presque d'interview, en fait, de collecte de paroles en marchant à côté des gens, en choisissant quelqu'un, en lui demandant si c'est OK pour le dessiner et le questionner. On a essayé avec Loïc de tenir bon sur un équilibre entre notre subjectivité qu'on assume. On a un regard, on perçoit des choses, on essaie de les restituer, mais avec un enjeu de rigueur et d'honnêteté. Ne jamais travestir ce qu'on nous dit, de ne pas chercher à obtenir quelque chose en particulier. Le mouvement des Gilets jaunes était protéiforme et du coup, les manifestations sont devenues plutôt plurielles, quoi, en fait. C'est devenu super intéressant à observer. Comme ça rassemble presque toute une année de mouvement social, ça décrit un panorama. Qu'est-ce qui anime les gens? Qu'est-ce qui les mobilise? Qu'est-ce qui, au contraire, ne les mobilise pas? Des luttes qui, de temps en temps, se croisent, se rassemblent, puis se séparent de nouveau. Et ça, c'est passionnant. Le regard des policiers qui nous regardent en train de dessiner, c'est très curieux, enfin, entre le garde mobile qui un jour s'est penché sur mon carnet en me disant « Hey, il y a du talent par ici !» alors que ses copains étaient juste en train de me bousculer 5 minutes avant parce qu'ils étaient au touche-touche du cortège. Et puis ceux qui sont pas forcément à l'aise d'être dessinés non plus, enfin, surtout quand ils portent une arme de guerre, en fait, genre un LBD ou un truc comme ça, quoi. Et d'un seul coup, non, c'est pas moi qui porte ça, je me tourne à l'autre côté. La loi n'interdit pas de dessiner les policiers. Je crois que de manière générale, le dessin est moins perçu comme une agression que la photographie. Il y a quelque chose qui se passe dans un échange permanent de regards, de présence réciproque, qui est à mon avis plus sécurisant qu'une photographie où là on brandit un objet entre vous et le sujet, et il y a quelque chose qui peut être perçu comme plus agressif, je pense. C'était cette démarche de collecte pour nous qui était intéressante. Évidemment, il y a la notion de mémoire de ce qu'est ce mouvement. On n'a pas nécessairement envie qu'on retienne de ce mouvement que c'est un mouvement d'une foule haineuse. L'objectif, c'est d'essayer d'incarner le moment politique d'une manière vraiment concrète, c'est-à-dire faire entendre des voix. Ce livre permet de créer un pont supplémentaire, disons, entre ceux qui sont dans la rue et ceux qui n'y sont pas forcément, mais qui pour autant ont envie d'entendre et de comprendre ce qui se joue en ce moment.